One Love. Et oui, comment obtenir cette succulente et onctueuse crème dessert? Bah alors, en fait, c'est très facile. Il vous suffit de mettre tout petit peu d'huile au fond d'une casserole. Vous la faites chauffer un petit peu, l'huile. Ensuite, vous rajoutez l'équivalent d'un demi-verre de farine. Vous rajoutez aussi l'équivalent d'un quart ou d'un demi-verre de cacao en poudre. Selon la teneur en sucre de votre cacao en poudre, vous pouvez toujours rajouter du sucre si vous le désirez, éviter le sucre blanc bien entendu. Et vous mettez de l'eau, genre jusqu'à là, c'est une petite casserole, hein, vous voyez ma main. Voilà quoi, vous mettez de l'eau jusque là environ, presque au bord. Et vous remuez, 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 remuez. Au préalable, bien sûr, vous aurez mélangé la farine avec le reste, avec le cacao et tout. Et donc vous mettez ça d'eau. Et au fur et à mesure que ça chauffe, ça s'épaissit, ça s'épaissit, ça s'épaissit, ça s'épaissit. Et quand ça bout, c'est que c'est bon. Alors selon combien vous avez rajouté de farine, vous aurez une crème onctueuse comme celle-ci. Si vous en rajoutez plus, eh ben, ça vous fera une sorte de brownie à la casserole. Et c'est super bon aussi. Sur ce, je vous dis one love et à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine originale. One love.